Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting. Je voulais vous montrer l'avancée, donc il est bientôt fini, de mon petit copain. Mon petit hérisson. Voilà, il ne me reste plus que par-ci à faire. Le haut est fait, il est très très joli. Les diamants, les strass sont magnifiques. Les couleurs, les formes, je le trouve très très beau. Les yeux ressortent. Alors, il est beau jusqu'au bout des pattes. Il a même des beaux petits ongles. Il est très très joli. Donc c'était un diamond painting partiel. Je vous avais marqué le lien sur une précédente vidéo où je l'avais acheté chez quel vendeur. Donc moi je suis très contente. Je vous le conseille si s'il vous plaît. Vous pouvez y aller sans crainte. Alors, j'ai Mathis qui est à côté de moi. Sa maîtresse étant malade aujourd'hui, il n'a donc pas d'école. Donc, Mathis, il est en train de faire ce que je vous avais montré dans les colis que j'avais reçus d'Anne-Marie. Les super-héros en diamond painting. Donc, il est en train de faire, c'est qui, Mathis? Spider-Man. Voilà, il a fait les yeux, il a fait un peu de bleu, un peu de rouge. Il a fait le noir autour et là, il doit continuer son petit chef-d'œuvre. Là, je fais le rouge. Donc, il fait le rouge, là. Voilà, donc Mathis avance son petit super-héros, là. Et moi, je vais finir mon petit hérisson. Oui, on va montrer Mathis. Donc voilà, il avance son petit Spider-Man. Tout j'ai bien avancé. Oui, il a bien avancé, il est bientôt fini. Plus que du noir, du 1 et du 2. Et du rouge, voilà. Oh, les yeux sont finis, oui. Ça plaît beaucoup à Mathis. Hein. Alors, moi, c'était le numéro 10, c'est les petits A. Donc les couleurs sont vraiment superbes. Donc n'hésitez pas à retourner à la précédente vidéo du petit hérisson et je vous avais mis le lien. Regardez les couleurs. Donc là, on va faire un petit peu les petits A ici. Je ne peux pas zoomer plus de toute façon. On est au taquet. Ou alors, je me mets un petit peu par ici. Voilà. Donc j'ai pas. C'est la lumière artificielle. On est lundi, il est 13h30. Alors, le temps, c'est pas super, super. Donc, Anne-Marie, j'utilise ton petit stylet. Non, j'aime bien changer. Oui, il est beau ton stylet. Et Mathis utilise le sien. Tu veux montrer ton stylet? Oui. Alors, montre-la. Voilà, Mathis utilise... Attends. Mathis utilise le sien. Voilà, qui s'allume. C'est Anne-Marie qui lui a offert avec les stickers. Et il a le même... Je sais plus quelle couleur il est l'autre que tu as dans tes stickers cupcake là. Que Stéphanie t'avait acheté. Il est rose, hein? Oui, il est rose. Voilà. Je crois que c'est un chat. Oui, c'est un chat rose. Moi, je vois ton lettre. Oui, bah. Voilà. Alors, moi, c'est des A majuscules. Alors, j'ai adoré comme j'ai adoré faire la dame dos nu. Hein. Les parcelles, ça me vide la tête encore plus que les autres grandes épées. Les couleurs sont superbes. Les différences de strass, pareil. Alors, j'ai mis un peu de colle. Donc là, on arrive au bout. Bon, j'en fais pas tous les jours, puisque comme ça va vite, ce genre de diamond painting, je préfère en faire de temps en temps, mais pas tous les jours pour le finir rapidement. Quoi. Comme ça, j'en profite plus. Puis comme je fais, vous me connaissez maintenant, plusieurs choses à la fois. Voilà, mon diamond painting du mariage est terminé. Donc maintenant, il faut que je trouve...
Voilà, il a fallu passer à autre chose. Donc, je termine ce qui est entamé. Donc, j'ai celui-ci à terminer. Donc là, la fin, ça va être du rapide puisqu'il n'y a plus grand-chose. Hein. J'en ai fait pas mal, je sais plus, ce week-end, je crois, le samedi. Je vous avais fait une vidéo et du coup, je l'ai continué un petit peu. Donc là, il me reste 2, 3 A, je vais les faire aussi. Et j'aime beaucoup ce stylet parce qu'il est épais, comme ceux que je fais à l'élastique. Voilà, je l'ai bien en main, il est, voilà, il est assez épais, large, parce que les autres, pour moi, ça ne va pas. Je vois Théo qui fait avec ses petits stylets roses, là, Matisse aussi, non, moi, j'aime pas, hein. J'aime pas du tout. Il manque quelque chose, c'est trop fin et ça me fait mal aux doigts. Voilà, on a fini les petits A. Là, j'ai préparé une autre couleur puisque j'ai fini, donc c'est un beau vert. Donc, ce sera les petits H par ici. Il a des couleurs super jolies. Très beau, mon petit hérisson, hein, Matisse? Oui. Comment tu le trouves, ce petit hérisson? Joli. Oui, il est joli, hein? Il est sage, hein? Classe. Il est classe. Oh, ben. Joli. Classe encore plus que joli. Oui. Et puis il a des beaux yeux. Hein. Ouais. Des beaux yeux noirs. Marron. Marron. Donc des haches, il y en a un petit peu partout. Ah, j'ai plus qu'un un rouge. Au-dessus de la tête. Applique-toi, hein. Attends, Matisse. Je finis ça, tu vois. Je vais le montrer. Deux minutes. Alors. Alors, c'est où? Voilà l'avancée de Spider-Man. Tout j'ai bien avancé. Il rend très bien. Oui, il y a encore le noir autour de la tête, un petit peu au niveau de la bouche. Et les pieds. Par contre, essaie de pas trop t'appuyer dessus parce que ça colle presque plus là. Donc nous, on continue. J'ai loqué, excusez-moi, les petits H. Oh là là, ce bleu, il est super joli. Ah, c'est un vert, mais... C'est du vert mélangé avec du bleu. Ouais, ça doit être du vert mélangé avec du bleu. Voilà, oui. Ça doit être ça. Donc, ben, Mathis, ce matin, il est parti. Il s'est fait beau, il a déjeuné. Il a été à l'école. Papa l'a emmené à l'école. Et arrivé à l'école, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait pas école. Il n'y avait pas école. Et pourquoi il n'y avait pas école? La maîtresse, elle n'était pas là. La maîtresse était absente. C'est tout bien. Alors, papa, au début, papa a voulu le laisser là-bas puisque normalement, Mathis mange à la cantine. Donc, voilà, on paye la cantine. Quand il a vu l'organisation que c'était et que tout le monde était débordé et que les gosses étaient livrés à eux-mêmes dans l'école... Non, il a dit c'est pas possible, tant pis, on paiera pour rien, mais quand c'est une fois comme ça, ça va, mais il suffit que la maîtresse fasse grève, eh bien on paye encore la cantine. La dernière fois, la maîtresse de Timéo était malade, on paye la cantine. Voilà, on ne peut pas, faut annuler 48 heures à l'avance, donc on ne peut pas prévoir quand les malades, quand les maîtresses vont être malades. Ou... Voilà, donc papa est revenu avec... Mathis ce matin. Donc, Mathis a mangé avec papa et maman à la maison à midi. Et puis il est avec maman cet après-midi. Oui, mais après avance encore un petit peu parce qu'on vient déjà de le montrer. Ils vont pas voir que tu en as mis.
Alors, j'espère que... Oui, vous voyez. On va finir les petits H ensemble. Et je pense que je terminerai de mon côté parce qu'il ne reste plus grand-chose. Hop, hop. Peut-être les petits H. Oui, les gros H. Des H majuscules. Ah oui. Voilà. Il en manque encore un. Le voilà. Alors, est-ce qu'il en reste? Oui. Attends, recule un peu, Mathis, parce que là, je vois déjà rien. Il y a toutes les C. Oui. Ah, mais il y en a encore plein de H, là. Oui, donc on aura un petit peu de C à faire. Donc, je vais quand même finir un peu les H. Comme ça, j'aurai plus qu'à ressortir la dernière couleur. On va finir. Les H. Alors, j'espère que... Le H de Mathis. Oui, dans Mathis, mais oh, ça commence pas par un H. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade. Oh, chez nous, il pleut, c'est gris. Il recommence à faire froid, ils annoncent du froid. Oui. Donc, il faut bien s'habiller. Ça caille, voilà, ça caille. Donc, on s'habille comme il faut. Avec une lit de sage, avec un tour de cou. Un tour de cou. Ou sur une écharpe. Un beau bonnet. Oui. Un gros manteau. Et zou. On s'en va. On s'en va. J'ai fait les deux pieds. Je fais les deux mains. H. Je ne l'ai pas fait. H. Oh, il m'en reste plus beaucoup. Alors, on va refaire le petit complément pour les petits H qui nous restent. Donc, voilà, 1, 2, 3, 4. J'en ai 4 chapelles, maman. Oh, beaucoup que je... Bon, ça va vite, 4. Donc, tu vois, Anne-Marie, t'as tapé dans le mille parce que ces stickers, ça lui plaît beaucoup. Et en plus, il a, donc, il a commencé, je lui ai mis dans des petits... ce que je vous avais montré là, ceci que je sers pour uniquement pour les stickers ou les diamond painting partiels. Je vérifie hein, parce que je suis la spécialiste d'en laisser toujours un ou deux. Non, c'est bon. J'ai fait les deux mains. Ah, alors, je vous remonte parce que Mathis a fini. Les mains et les pieds. Alors, j'y coince avec un trombone. Pas qu'il ait le plastique qui l'embête à chaque fois. Il a fait les mains et les pieds. Voilà, il reste un petit peu du visage encore à faire. Moi, il faut que je fasse... j'ai des petites flèches grises là à faire. Donc, les petites flèches, c'est le numéro 6. Donc, c'est des petits strass qu'on voit souvent, des petits gris comme ça. Donc, Mathis aussi, il a ses stickers à finir. Des... Il a son cheval. Oui. Mm-hmm. Et puis, tu as tes cupcakes, là. Tu gardes non, ce pas des cupcakes. Ah, c'est pas toi. C'est quoi, toi? Les papillons, moi. Ah oui, c'est les papillons. Puis, Timéo, il a ses cupcakes. Ah oui, c'est Timéo qui a les cupcakes, oui. Oh, je sais plus. Puis, Théo, il a quoi, Théo? Attends, c'est le 8. Attends, Mathis, maman, il faut qu'elle se concentre un minimum, hein. Théo, je sais plus. Il les a pas fait parce que Théo, il est dans son joker. Donc, je ne vais pas le forcer à faire les stickers que je lui avais achetés. Puisque eh ben, il prend du bon temps à faire son joker. Donc, je préfère qu'il avance son joker. Et puis, je ne vais pas le forcer. Il le fera un autre jour. Ou alors, moi, je les ferai. Ou, non. Ou je peux les offrir à quelqu'un aussi. Hein. Maman, tu sais ce qu'on fait? Tu vois, il finit son joker. Oui, ben, quand il aura fini son joker, oui. Je pense qu'il en aura un autre. Peut-être que maman lui achètera Harley Quinn parce que Théo, il adore Batman. L'univers des Batman, des super-héros. Théo, il aime bien Dragon Ball, il aime bien Sonic, il aime bien. Bon, Harley Quinn aussi. Il aime bien. Bah oui, c'est pour ça. Il avait choisi le Joker, on hésitait avec Harley Quinn. Donc le prochain, je pense qu'il prendra la fille. Harley Quinn. Elle est belle, Harley Quinn. Hein. Oui. Moi, je préfère, elle est plus jolie que le Joker. Hein. Le Joker, il me fait un peu peur. Tu n'as pas peur, toi, le Joker? Avec sa grosse bouche? Non? Non. Tu
Attention, mets pas tes coudes dans le... Voilà. Bah, du coup, c'est bien. Je l'aurai fini avec vous. On le vernira dans une prochaine vidéo. J'aime bien vous montrer comment je vernis les ouvrages. Alors, le petit hérisson partiel, je vais tout vernir. Hein, la toile et les diamants. Je ne vernis pas que où j'ai posé les diamants. Et ben voilà. Alors, on va prendre le temps. Hein. De bien regarder si on n'en a pas oublié, n'est-ce pas? Donc, ça, c'était quoi? Oui, c'était les numéros 8. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de rab de diamants. Hein. Même les spéciaux. Regardez, j'ai des petits roses super jolis, là. J'ai tout cela aussi. Je vais vous montrer. C'est pareil, c'est... ça, pour les petites créas en scrap, c'est super sympa. Donc, c'est pareil, c'est tout durable. Et j'ai ceux-là, mais ceux-là, ils sont courants. Hein, c'est noir, gris, vert et couleur un peu coca. Voilà. Donc, je vous montre mon petit copain terminé. C'est ton copain, mon petit hérisson, tout mimi. Alors celui-là, je vais le vernir. On va trouver un cadre, on va l'encadrer. Mon mari adore les hérissons. Donc je pense qu'il lui trouvera facilement une petite place. Il n'est pas très gros. Hein. C'est un 30-30, mais bon, vous savez que quand ils disent 30-30, il faut bien regarder les tailles. Je n'ai pas vérifié encore. Hein. Voilà, mon petit hérisson terminé. Donc on le vernira ensemble dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Alors... une petite dernière fois, le Spider-Man. La prochaine fois que vous le verrez, il sera terminé. Alors, le prochain, c'est lequel? Le prochain, c'est... Hulk. Donc, la prochaine... Non, pas Hulk. Batman. Qui c'est là-bas en bas? Iron Man. Ah oui. Captain America. Puis elle. Je sais plus. Donc, le prochain, c'est lequel? Tu sais déjà? Non, t'as pas choisi. Si. Ah, lequel? C'est qui ça? Iron Man. Donc le prochain sera Iron Man. Enfin bon, d'ici là, Mathis aura peut-être changé d'avis. Hein. Oui. Peut-être voilà. Que ce sera Batman ou peut-être que ce ben. Sera Iron Man. Voilà, donc ce sera là sur... Si. Voilà, donc qu'est-ce qu'on leur dit Mathis? À bientôt pour une autre vidéo. À bientôt pour une autre vidéo. On vous... On vous embrasse. À bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.